Je m'appelle Kumba Tunkara, je vis à Tambacounda, une région située au Sénégal. Dans ma région, nous sommes confrontés à de graves problèmes liés au changement climatique. Le déboisement en est la cause principale. Le bois de soufre est transformé en charbon pour préparer la nourriture. Le bois d'œuvre sert à fabriquer des lits, des tables, des chaises, etc. Les retards de pluie sont récurrents. En 2019, on a frôlé le pire. Des prières ont été faites dans les mosquées pour qu'il pleuve. Même si la pluie a repris, on va assister à la baisse de la production agricole. La sécheresse risque de s'installer, accentuant l'immigration clandestine de quelques-uns de mes amis, mais aussi des déplacements des animaux sauvages. J'ai constaté au niveau de la capitale sénégalaise l'avancement de la mer à travers les inondations qui détruisent des habitations, mettant les familles démunies dans la rue. À Tambacounda, les inondations du fleuve Gambie ont provoqué d'importantes pertes de production de bananes. Heureusement, des jeunes comme moi s'activent. Des associations comme Ambekoun Solidarité, notre but est de lutter contre ces changements qui affectent notre quotidien. Comme exemple, nous faisons du reboisement, soit 3000 plantes, entretenues et sécurisées en 2019. Merci de nous aider dans cette noble tâche. C'est l'économie du Sénégal, ça nous préoccupe, levez-vous les gars. Il y a la beauté en vue durant l'hivernance et la verdure. Prends le temps de contempler l'espace. Quand les animaux en complet s'installent, c'est la joie au cœur. Mais les menaces poursuivent, car la demande en animaux